Ceux qui ont entendu, qui ont vu leur famille, leurs parents se marier. Vous avez vu que les vrais problèmes
Facebook, and sure value your country, sir. Quand quelqu'un me dit, tu as le risque, je me souviens son nom, vous n'êtes pas fini. Amen. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu te prépare à gérer ces problèmes. Mais beaucoup de problèmes que nous avons dans le mariage, c'est parce qu'on ne se prépare pas selon Dieu. Il faut comprendre que nous sommes venus servir Dieu. Et si tu sais Dieu avant le mariage, tu dois beaucoup plus servir Dieu après et pendant le mariage. Quand il est en train de mariage, c'est vraiment bien. C'est parce qu'au moment, tu commences à sentir comment c'est chiant. Amen. Je veux dire. Donc, à l'instant zéro, le mari va être quelque part. L'homme va être un certain endroit. Avant de dire, bon, voilà, là, Seigneur, maintenant, je commence à me sentir seul, je commence à être difficile, et puis je rentre, tout le jour que je mange, les sardines, et puis les. C'est pas. Le bateau, c'est il faut que je puisse monter sur quelqu'un pour faire un peu le rire, les jojo, toutes ces choses. Et puis, à l'instant zéro, alors, la femme elle est appelée à arriver à un certain niveau. Et donc, je pense que le Seigneur a plus de patience pour la femme. Et c'est pour ça que le Seigneur donne cette autorité. Et comme le pasteur dit souvent, le nom échoua, pas le meurtre, et souci à pas le mot dynamisme. Autorité, c'est-à-dire que c'est lui qui a donné les mots. Et quand il a donné les mots, ce n'est pas parce qu'on dit que c'est lui qui a donné, c'est parce qu'il faut un équilibre. Amen. L'équilibre est respecté. Et à l'instant, t'es. Donc, quand les choses avancent, maintenant, c'est là où il faut que les choses bougent du côté de la femme. Mais comment est-ce que ça bouge? Disons Exode 4, verset 24 et verset 6. C'est pour ça que je suis le premier. Au début, on a l'impression que Dieu demande pourquoi à l'homme, mais pas à la suite. Dieu s'attend aussi à beaucoup de la femme, comme Dieu s'attend à l'Église. Parce qu'elle doit être sainte et irrépréhensible. Elle n'est pas sainte, elle est en train de se sanctifier. Elle est un niveau. Mais Dieu veut qu'elle fasse mieux. Quelqu'un peut dire, j'ai un Exode 4, verset 4, verset 6. Pendant le voyage, dans le lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir. Séphora prit un silex et coupa le prépuce de son fils, et elle le jeta au pied de Moïse en disant, tue pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Donc, on est d'accord, c'est qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans la famille. Parce que ça, c'est le 4. Mais Dieu a appelé Moïse au 4. Dieu a appelé Moïse à Exode 3. Donc ça veut dire que je pense que Dieu avait déjà appelé le 4 de Moïse. On pouvait dire, pas comme le Seigneur qui est saint, on pouvait dire que lui, la bataille du niveau, il fallait. Amen. Lui, c'était correct. Mais ce n'était pas correct pour ses fois. Et quand tu vois la façon dont c'est fait, la façon dont elle réagit rapidement, alors qu'on est sur le plan de Dieu Moïse, elle savait ce qu'il fallait faire des bruits très longs. Et c'est ça le problème que nous avons dans l'approche du mariage. Le pasteur nous enseigne, il nous a enseigné que quand tu veux quelque chose, commence d'abord par regarder à ce que Dieu veut. Parce que quand tu veux quelque chose, que tu regardes d'abord à ton besoin, éventuellement, tu vas finir par faire ce que Dieu veut, mais dans la précipitation ou avec la punition. Ça, c'est la première chose. Amen. Lisons Exode 18, verset 1 à 2. Jéthro, sacrificateur de Madian et beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple. À savoir que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit ses pauvres femmes de Moïse qu'il avait laissé partir, ainsi que ses deux fils. Là se nommait Gershom, car il avait dit, je suis un immigrant dans un pays étranger. L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit, le Dieu de mon père est venu à mon secours et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. J'ai trouvé le père de Moïse avec les fils, et la femme de Moïse vint vers lui au désert où il campait à la montagne de Dieu. Ok, c'est bon. Qui se rappelle cette histoire? La Bible dit que la femme qui ne voulait pas circoncire son enfant. Elle avait été renvoyée. Ça veut dire qu'elle devait un problème. C'est parce que souvent les gens entrent dans le mariage avec un agenda. Parfois, ce n'est même pas ton agenda. Parfois, c'est l'agenda de la famille. Parce que tu fais plaisir au papa, en maman. Et quand tu rentres, tu n'es pas bien disposé. Et le diable dit, ok, comme tu veux donner ta famille, au lieu de donner Dieu, tu vas faire souffrir le mystère de ton mari pour le mystère. L'Église. Donc, elle avait été renvoyée,
Mais là, vous pouvez les réunir, parce que je sais que chaque année, il y a des gens qui sont à la cour. Oui. Oui, est-ce que tu peux juste expliquer pourquoi? Parce que je sais qu'après, les pharisiens ont utilisé ça en disant que Moïse avait écrit que, bon, tu peux envoyer ta femme aussi. Je pense. Non, mais que tu as fait naître, naître. Que tu as fait naître, etc. Donc, bon, ici, c'est clair que quand je trouve rien, il trouve Moïse en train de faire quoi? En train de travailler, mais Moïse était, je suis chargé et bon, le travail. Et ce qui n'est pas bien. Amen. Et c'est ça que je vais apporter, c'est que vous savez, il y a un ministère pour chaque homme, même pour chaque femme. Mais Dieu veut d'abord commencer par là. Mais, s'il ne fait pas attention, il va te dévoiler. Voilà pourquoi il a besoin de cette famille, des enfants pour équilibrer. Hélas, si la femme n'est pas prête à le soutenir, eh bien quoi? Dieu ne vit pas avec ça. Donc, ce que je vais apporter ici, c'est que celui qui a ramené la femme, c'est son père. Mais son père, c'est un sacrificateur. Et il était mature. Il a sûrement dû prier. Il a laissé la chose à Moïse avec sagesse. Et Moïse a accepté. Ce qui fait que Dieu connaissait le problème depuis longtemps. Mais pourquoi Dieu a laissé faire cela? C'est parce que la femme avait la mauvaise attitude depuis très longtemps. La même revolte qu'elle avait le juif avec elle, c'est aussi son mari. Elle avait la même revolte. C'est-à-dire que tu sais, quand tu veux quelque chose de Dieu, il faut que tu te mettes à la façon de penser de Dieu. Et en général, la façon de penser de Dieu, je parle avec son boulot, le bois, les mystères, l'église, le pasteur, qu'est-ce qui fait? Quelle est la volonté? Parce que n'oubliez pas, l'homme de Dieu, c'est aussi difficile que vous pouvez l'imaginer. Parce que le diable attaque à temps plein. Ne fais jamais un agenda personnel quand tu es de l'homme. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu m'as mis des potentiels, tu m'as mis des capacités, tu m'as mis des talents. Comment est-ce que je peux te servir? Comment est-ce que je peux faire avancer ma volonté? C'est pour ça qu'on va être ces fois qui se fait crier. Non, personne ne vient te l'envoyer. Amen. Je viens d'en faire. J'ai plusieurs fois des gens de la famille passer des choses. Il est parti à la campagne pour eux. Je vois comment. À la fin, je vois ça pour soi. C'est ici que quand les gens se séparent, il y a des séparations, des séparations propres, plus propres à l'ailleurs. C'est une réponse. Je me demande de se séparer. On allait, on te suivait comment que tu penses à l'écrire, ça avait une grammaire dans une langue qui a fait des mots, travaille, tu vois, c'est mieux de travailler, je suis comme ça. Oui, tu me dis des choses. Donc, c'est Jétro qui a pris la décision de techniquement que ses bras reviennent au point de vue. En fait, Jétro est comme le négociateur, le médiateur. Mais je suis sûr qu'avant qu'il le fasse à la plage parler à ses floristes asiatiques. Tu vois l'homme de Dieu, je ne peux pas aller voir Moïse, il n'y a pas de Moïse avec le travail, elle sait bien ce que tu fais, mais voici comment tu peux le faire. Et je suis sûr que c'est Dieu qui a mis la réponse à Jéhovah, comment montrer à Moïse. Maintenant, ma question, je veux que vous interveniez, et je veux que ce soit clair, c'est que si ces fonds n'avaient rien fait, et que Jéhovah n'avait rien fait, Dieu n'avait rien dit, Moïse allait continuer à travailler comme cela. Parce que, et je ne suis pas en train de dire que ce que Moïse faisait était justifié. Mais il faut comprendre que Dieu a une mission. Dieu a quelque chose qui va arriver. Et ce que Dieu veut arriver va arriver. Maintenant, quand tu n'es pas content, ou que tu trouves que c'est une injustice, ça doit adresser à Dieu de la bonne façon. Seigneur, je ne vois plus mon mari. Seigneur, je ne vois plus. Je ne vois plus. Je ne parle pas par les oreilles sans voir ce que je vais donner. Amen. Et quand tu adresses à Dieu, maintenant Dieu m'envoie chez vous quelqu'un pour parler avec sagesse. Mais sinon, écoutez, si on ne gère pas cette situation, pourquoi? Si on ne laisse pas la situation, ce n'est pas qu'il y a là pour faire, c'est le peuple de retour à la commune qui l'a déjà fait. Vous comprenez? Il y a quelque chose d'important à faire. Mais, ce n'est pas parce que tu vois une erreur, ce n'est pas parce que tu vois une destinée que ça veut dire que ça va arriver, que tu vas te fâcher, ou que tu as raison de te fâcher. Parce que le plan de Dieu doit avancer. Amen. Amen. Et si tu regardes par la suite, tu n'entends plus parler de ce fort. Ça a pris 8 chapitres pour régler son problème. Amen. Ne laisse pas Dieu par 8 chapitres, parce que dans les autres chapitres, il y a l'humiliation, il y a la honte, il y a beaucoup de choses. C'est toujours quelque chose. J'ai vu ça plusieurs fois. C'est Dieu parle à la femme, il dit non, c'est pas Dieu. Ou Dieu parle à la femme, il dit non. Mais après, quand Dieu montre ses débuts, soit comment la personne est gênée, il y a la honte. Dieu fait bien les choses. Amen. Donc, ces fois, allons compris. Maintenant, qu'est-ce qui se passait avec Moïse? Moïse avait trop, il passait du matin
au soir à juger. Donc c'est possible que c'était ce qu'ils faisaient déjà avant que ce programme ne soit envoyé. Parce qu'elle disait, comment tu reviens le soir pour ça? C'est quoi? C'est tu vas manger à l'heure. Et il arrive, il est tellement fatigué, il va dormir. Tu vois un peu, personne ne va accepter cela. Amen. Ok. Est-ce qu'on peut lire quelque part en avant? Tu peux lire là où il a commencé à parler à Moïse, il a dit juste ça un peu. Amen.
Moi, je sais persuasion que les femmes doivent prier et intercéder comme pas possible. Mais vous savez pourquoi cela? C'est parce que dans diverses situations, maintenant que je sois allé à l'accident, ou que je réponds, la femme a dit yes, ma'am! Et que le Seigneur protège ce qui est plus facile. Je l'appelle. L'homme, il va mourir avant de commencer à prier, il va aller dans le mariage, il va se laisser ouvrir, puis il va mourir, il va faire un carreau, tout un coup. Ce qui fait à cause de leur prédisposition, à cause de leur gêne, dans son raison, on a toujours cette perception que la femme, c'est la prière, mais quand vous lisez la Bible, Dieu demande plus à l'homme de prier que la femme. Parce que pour la femme, c'est naturel, il y a besoin, mais vous allez voir ce qui se passe, parce qu'il y a besoin de dire quelque chose à compenser. Mais pour l'homme, vous savez quoi? Il a besoin de direction. Et la direction vient de la part de Dieu. Amen. L'homme a besoin vraiment de direction. Voilà pourquoi que la Bible dit dans 2 Timothée, je crois que c'est 2, verset 9, que les hommes prient en tout temps. Ça demande pour faire le bien. Ça demande donc plus l'extérieur. Mais pour l'homme, on demande des choses intérieures et on demande de prier en tout temps. Tu sais pourquoi? C'est l'une des raisons pour laquelle j'aime bien cette répétition. Lis dans Nombre, lis dans Exode, lis dans Lévitique, du chapitre 20 toujours. Moïse consulta l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse. Moïse consulta l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse. L'homme doit constamment consulter. Constamment consulter. Parce que Dieu peut dire ça aujourd'hui et il peut dire telle autre chose demain. Amen. Mais la femme plutôt, c'est elle qui va le soutenir. Bien sûr, on a besoin de confirmation parce que l'homme peut venir en chat et puis après ils sont en train d'aller renforcer. Amen. C'est sûr que l'homme a des mots, mais elle a besoin d'une confirmation aussi. Regarde un peu ce que Moïse a fait et ce qu'il a pu faire, pas plus ou pas au meilleur qu'il a fait. Disons Nombre 20, à partir du verset 20. L'histoire du rocher. Et donc, il y a quelque chose qui revient. Dieu dit à Moïse, pas le rocher.
Mais le problème, c'est qu'ils sont au désert, ils parlent avec un rocher. C'est le même rocher qui est là à Graffiti. Vous rappelez, personnellement, c'est monsieur le rocher, les sujets. Puisqu'ils étaient dans le désert, quel est ce rocher? Puisque la Bible dit qu'il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien. Ils étaient fâchés, ils étaient fatigués. Mais Moïse ne voit pas quel rocher. C'est parce qu'il pouvait identifier le rocher. Il pouvait identifier le rocher, un verre qui se faisait tous les jours dans sa vie. Mais il n'est pas capable de se rappeler qu'il fallait faire comme Dieu l'a demandé. Parce que quand tu commences à être habitué au miracle, tu es dans une position de grand-chose. Voilà pourquoi il faut appeler aux gens pour rester dans la ville, PCI ou ailleurs. Vous avez fait attention à ce temps où vous adorez. Vous avez un temps d'adorer, vous avez un temps de prendre ça pour acquis. Maintenant, les gens cherchent à adorer. Ils n'arrivent pas. On est obligé de regarder les vieilles vidéos d'adoration. Vous voyez comment c'est difficile. J'ai dit que les gens qui prennent la Bible, c'est un groupe de l'église, les périodes qui vont à l'instant, ils vont casser les mains. Mais même ça, ne peut. Parce qu'on commence à se rendre compte que quand tu te délèves, on est devant Dieu, tu es demandé de faire grand chose. Tu es un privilège pour moi pour pouvoir adorer le Seigneur. Ce n'est pas pour moi que c'est tout le monde, mais les gens agissent. C'est pour faire attention comment tu agis quand tu attends quelque chose de Dieu. Que ce soit la bénédiction de Dieu. Que ce soit la vision financière, que ce soit le mariage, fais attention à ta façon de penser. Fais attention à ton approche. Dis Seigneur, conforme-moi à ta façon de penser. Dis Seigneur, conforme-moi à ta façon de voir les choses. Prépare-moi selon tes conseils. C'est pour ça que ça crée beaucoup qu'on a la chose de Dieu. Parce qu'on est façon de penser qu'on ne veut pas sortir. Alors Dieu dit dans la Bible, la Bible, la parole vient pour gérer les pensées. Amen. Donc, il y avait un rocher qui les suivait. C'était un miracle qui était là, mais c'était un miracle qui prenait pour acquis. Mais il prenait pour acquis que Moïse même, qui aurait dû consulter Dieu s'il n'était pas soucié dans le doute. C'est un moment que je parle. Parce que ça fait bizarre. Tu sais, tout le monde aime ce qui est fort, ce qui est physique. Bon. Et ce qui est là, c'est que quand tu regardes ce verset, nombre 20, par rapport aux autres, la Bible dit clairement que quand il a frappé le foie, les os sont sortis en abondance. On n'a pas dit que c'est sorti, on dit que c'est sorti beaucoup. Pour montrer la force avec laquelle il a frappé des moments forts et pour montrer combien Dieu voulait le protéger. Parce qu'il n'y avait pas une seule fois où Moïse avait fait un miracle devant le peuple. Et ça n'a pas marché. Ça a été la première fois. On devait l'habiter. On allait souffrir lui. Et je vous dis, j'ai vu ça plusieurs fois dans le mariage. Des fois, Dieu va protéger le mari. Par rapport à la femme. Parce qu'il m'a fait que le miracle apparaît. Mais ça ne veut pas dire que tu es d'accord. C'est ça qu'on te dit que si Dieu te dit, prie, prie. Parce que si personne parle à Moïse, Moïse allait se sentir fatigué. Je vous promets, Moïse allait tomber dans ses corps s'il ne faisait rien. Parce qu'il veut aussi consulter l'éternel pour ça. Amen. Si le diable allait avoir ton cas, et c'est Dieu qui a permis qu'il n'y ait pas la Moïse, c'est-à-dire que les défauts que ce fera voyait étaient justifiés. Mais le problème, c'est qu'au-delà des défauts qu'elle voyait, c'est son attitude qui n'était pas bonne. Tu peux voir les défauts dans la vie, tu peux voir les défauts chez quelqu'un, mais c'est l'attitude avec laquelle tu as posé les défauts, c'est ça qui t'a très délicat. Parce que le diable prend cela pour chuchoter, le diable prend cela pour affaiblir, le diable prend cela pour faire des murmures. Amen. Alléluia. Et on a vu, je ne sais pas si vous avez remarqué que tous nos dirigeants, vous avez vu tous les dirigeants sont mariés. Regardez les frères, regardez les soeurs, regardez tout le monde. Vous allez voir toujours qu'il y a quelque chose qui est difficile. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour servir Dieu. Donc la prière peut être Seigneur, montre-moi comment je vais faire pour te prier. Rends-moi capable. Parce que nous, on est vrai entre eux pour dire, ok, j'ai souffert, j'ai dévastisé, j'ai amené les gens à Dieu, là je vais reposer dans la grâce, c'est comme ça que ça marche. J'ai souffert, j'ai amené les gens, j'ai fait ça, Seigneur, je vais rentrer dans une autre étape, je vais rentrer dans une autre dimension. Prépare-moi pour cette étape, que je sois capable et que je sois même de faire ce que toi tu as besoin que je fasse. Amen. Et puis, le truc aussi, c'est que, vous savez, j'ai beaucoup. Vous savez, je connais les positifs, il est jusqu'à. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'île. Amen. Mais, il y a des effets qui sont arrivés, il y a des effets qui sont arrivés. Je vous dis, le pasteur a réuni, on a péché le pasteur. On a fait souffrir. Tout le monde voulait vous aider à le faire. Tout le monde voulait vous aider à le faire. Je vous dis, il y a des exemples. En tout cas, on va. C'est ma soeur, j'ai fait une explosion. Mais, et il y a une chose que j'ai remarqué par
c'est que les gens ne comprennent pas que quand tu ne. Ou si tu penses, parce que je pense à que Dieu va t'adresser à ton mari ou ta femme, si tu suis que Dieu t'appelle, ou Dieu t'a dit, ou Dieu t'a donné la direction de savoir quelle personne que tu es, ou que tu peux être, devine-toi. Plus la personne est sous les feux de la lumière, ou plus la personne est mature, ou spirituelle, comme on l'a dit. Mais les gens ne comprennent pas quelque chose, c'est que plus tu pries aussi être gros à gagner. Mais les gens n'aiment pas cela. Les gens aiment le bénéfice. Mais les gens n'aiment pas payer le prix. En général, avec Dieu, le prix à payer est toujours plus grand que ce que je pense. Mais ça, c'est ce que j'appelle à Dieu. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu va te préparer. Il va te mettre dans des situations où tu vas faire ce que tu disais que tu n'avais jamais fait. Et pour pouvoir faire cette chose que je n'étais pas capable, pour que je ne m'en et tout ce qui ne me demandait pas, il s'est mis en force, parce que ça n'achète pas. Il y a des choses dans le ministère. Il y a certaines choses qu'on doit faire parce qu'on est pasteur. Mais quand on n'aime pas, il y a des choses qu'on aime faire, c'est moi j'aime fumer, mais il y a d'autres choses qu'on n'aime pas faire. On ne peut pas encore donner les détails, mais il y a d'autres pasteurs qui aiment ça, mais d'autres n'aiment pas, mais tu dois le faire parce que ça fait partie du ministère. Amen. Dans la vie que nous allons avoir les uns les autres, quand nous aspirons à quelque chose de grand, plus tu aspires à quelque chose de grand, plus tu aspires à quelque chose de merveilleux, plus tu aimes le Seigneur. C'est ce qui est gros qu'on paye. Tu ne vas pas là juste pour te réjouir, profiter, dire ah, voilà, Dieu même, tu m'as béni. Hey, comment tu vas bénir la maison du Seigneur? Comment tu vas bénir l'œuvre du Seigneur? Comment tu vas faire avancer? Parce qu'il y a des saints qui vont te voir. Amen. Alléluia. Et souvent, les prix à payer que j'ai vus, parfois ce sont des injustices. C'est des fois qu'on va mal parler des personnes. Pour rien comme ça. Amen. Vous savez, reste Dieu te justifie. Il y a des choses où oui, quand c'est grave, tu vas venir au pasteur. Mais il y a des choses que tu ne peux pas arrêter, tu ne peux pas contrôler. Il y aura toujours le mal autour de toi. Mais ton cœur va être proche du Seigneur Jésus. Amen. Parfois tu fais quelque chose, tu vas avancer. Peut-être Dieu te bénit, mais juste parce que les gens parlent autour de toi. Ça te fait intimider. Les injustices sont des conforts, comme l'absence. C'est des fois que tu vas dans le mariage et puis tous les jours le mariage te le fait, tu brilles, tu brilles. Et comme le pasteur s'est déjà dit tellement bien une fois, peut-être c'est parce que Dieu veut que tu commences à créer une solitude. Comme ça, il va mieux la faire, il va rentrer plus haut. Des fois, on ne voit pas les choses comme ça. On voit toujours, il passe. Peut-être si tu commences à le souder, peut-être si tu commences à intercéder plus souvent pour lui. Ça fait qu'il va parler moins longtemps pour pouvoir faire ça, vous soulager. Amen. Les gens ne voient pas les choses comme ça. C'est pour ça que ça marche pour certaines personnes et ça marche pour d'autres. Parce que les autres veulent toujours regarder moi. Ils veulent toujours regarder Dieu. Et quand Dieu voit que tu souffres, et Dieu voit la justice, là il va agir. Comment il va agir? Et dans un Dieu juste, quand il y aura la justice. S'il y a déjà la justice, pourquoi on a besoin de Dieu? C'est quand il y a la justice qu'on a besoin de Dieu. C'est quand il y a la justice qu'on prie. La justice. C'est quand il y a le péché contre le haut, la sanctification. Amen. C'est ça. Donc, notre prière, à partir d'aujourd'hui, ça va être de demander à Dieu de nous disposer. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ton œuvre? Si je passe à une autre étape, qu'est-ce que tu veux que je fasse en avant? Comment est-ce que tu veux que je le fasse? Quels sont les aspects de ma vie qui ne permettent pas que je sois capable de le faire? Quels sont les aspects de ma vie qui ne permettent pas dans le ministère. Quels sont les aspects de ma vie parce que je ne peux pas vraiment aimer plus moi-même alors que je sais que tu attends plus ou moins. Et je te dis, Dieu pour ce genre de prière. Dieu pour franchement, je vais t'y prier au fur et à mesure. Donc, et quand par exemple, quand tu cherches un nouveau travail ou que tu cherches une position, qui a déjà fait un CV pour être peut-être des bailleurs ou la veuve? Ça, ce sont les postes-là qu'on cherche. Je me rappelle que, frère, c'est pas pour toi. Moi, j'ai fait un CV. Ça, c'est quand j'étais au Canada. Quand je travaillais là, j'avais besoin de travail. J'étais comme, je n'étais pas fait. Je voulais faire la planche. La planche, c'est la maison. C'est pas juste la maison de cela. Et moi, j'ai fait le déménagement. J'ai fait autre chose. Je me fais le chat. Comme pasteur. On a tout fait ici. Amen. Et je me fais le CV. Donc, j'ai dit, si même, j'ai dit, c'est pas ce que j'ai pas fait. Mais la planche, ça m'a dit, ah, mais à un moment, j'ai manqué de travail. J'avais besoin de
Vous avez vu depuis la pandémie, on n'est pas, il faut
vrai que quand on les enfants, on va donner ses armes. Parce que quand on les enfants, ça passe que les gens vont prendre la bénédiction. Vous avez vu qu'on a plus ordinateur, on est plus s'occuper parce qu'il faut s'occuper sur les nets. Vous avez vu que quand on mange des fois, une fois la semaine, elle est là pour faire la pizza. Mais quand ils disent que les gens vont faire les plans pour tout ça, qui va faire? Tout le monde est même, qui va encore comment on va faire pendant que vous êtes contre vous savez, le ministère, c'est faire plaisir à quelqu'un. Par exemple, moi, on se bat pour tout le monde, c'est à l'aise aussi là, tout le monde est sûr, parce que tout le monde peut pas la crise. Mais toi, tu te bats pour que les gens soient heureux. Comment tu te bats pour qu'il y ait du plaisir dans la maison de Dieu, pour qu'il y ait du sourire? Il y a une action que tu vas faire, mais l'action va te créer des problèmes. Ça va te faire sacrifier de l'argent, ça va te faire sacrifier ton temps, ça va te faire sacrifier ta patience. Parce que quand tu vas commencer, quelqu'un va dire, ce que tu fais, ou quelqu'un va venir marcher dessus. Je suis dans le temps de Dieu. Mais les gens cherchent la bénédiction, alors que la bénédiction est dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Demandez au frère Saint-Christ, quand on avait fait, on faisait des choses à vous. Les fois, on est tellement content qu'on parle de fatigué, les fois, on réchauffe à vous. Si c'est qu'il y a des personnes qui sont de ça, mais les fois, on n'est pas vraiment à faire. Et même pour apprendre, on essaie de la réserve à vous. On ne réalise même pas parce qu'on a aussi beaucoup travaillé, on est habitué. Et puis on a eu un jour où nous n'étions pas les programmes sur la sélection, il était occupé sur ses affaires. C'est le fameux qui allait faire le avec la sauce au vin. Vous savez ce que le pasteur de l'élève faisait ça, puisque c'était des éléments. Le corps est béni. Parce que là, il y a une prise. Quand il vient, il faut lever tout ça. Mais ça, lui, parce que le fait péter la gueule, il s'est mis toujours rond comme ça. Ça, c'est la mesure. Mais c'est pas comment il faisait le mot. Il vient de la gueule. Il faisait du travail, il a des mains, il fait comme ça. Des fois, on le voyait parce que l'ingénieur, il fait des beignets. C'est parce qu'il a besoin. Il faisait des beignets. Il s'amène à l'île, il fait comme ça, comme ça, comme ça. On comprend que je vous dis qu'on a tout le monde. Mais tout le monde était dans la joie. C'était comme si c'était automatique. Chacun avait son rôle et tout ça. Et il s'est rendu compte qu'un jour, on avait tellement fait le but que la vie avait grandi tout le monde. Et aussi, on avait la même vie. Un jour, on avait fait la nourriture, mais il y avait trop de gens qui venaient, on ne savait pas comment faire. Mais nous, c'est qu'on a commencé à faire des petits poissons, comme on fait toujours. Quand il n'y avait pas assez de crème, et ce jour-là, tout le temps, je me rappelle que je vais acheter un gros paquet de farine. Mais il y avait tellement de soins, il y avait des certitudes que les gens posaient des choses pas, et les autres personnes sont venues par la vie. On les était. Vous savez quoi? On s'est réveillé comme ça à la fin, on était dépassé. À la fin, il n'y a pas manqué. Même un peu, il y avait beaucoup de choses à la fin. On a compté à nos voisins avec la personne. On a compté à nos voisins. On s'est tous regardés fâchés à les yeux. Pourquoi le fâché on s'est dit, hé, j'étais dépassé. On s'est tous regardés. On a pensé qu'on avait dit, mais on a dit, ce soir, il y a un jour. On voulait qu'on parle, parce que des fois, c'est ça le problème. Là, je disais, il n'y a pas fait l'ascensement. Quand tu commences à tout comprendre, à chercher à comprendre, tu vas te perdre. On veut comprendre. Est-ce qu'il y a encore la nourriture là maintenant? On a compris une chose ce jour. Tu fais ce que tu peux dans Dieu. Dieu a fait le travail. Il y a du sale travail à faire dans la maison de Dieu. Tu veux être béni. Il y a du sale travail à faire même pour ton mari. Il y a des défauts de l'autre qui t'a rencontré. Il y a des défauts de l'autre qui était même qui t'a rencontré. Pas parce que lui ou elle ne voulait pas le rencontrer, mais parce qu'il ne savait pas qu'il avait ce défaut. Parce que tu apprends aussi quand tu commences à confronter avec ton situation que tu. Il n'y a pas de sensation quand tu es marié. C'est là où tu apprends à penser qu'il y a la personne. Amen. Et donc tu dois être prêt pour que quand tu vois que les choses commencent à crier, je ne sache pas si ça, c'est pas la qualité que je vais parler. Mais je vous promets, du moment où vous parlez, il y a des problèmes que je vois dans les autres. Mais quand tu vois les gens dans le problème, quand tu vois les pensées, quand tu vois dans le magasin, tu penses. Tu prends tes mains, tu es avec le sexe. Opposé, avec le même gars qui tu vois, vous pouvez tout ça, il y a des trucs, amen. Il y a des problèmes, mais il faut que tu apprennes à faire le sale travail. N'attends pas que quelqu'un fasse devant toi. Prends les choses. Amen. Vous savez, c'est plus facile de mettre sur le voir ou qui s'assure tout ça. Mais écoutez, surtout dans cette pandémie, c'est pas parce que l'église est réduite que le nom de l'église comme que l'église. Regarde-vous, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu peux faire. Il y a quelque chose que tu peux encourager les gens à demander. Il y a des choses que tu peux faire. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça que tu dois faire. Mais le problème, c'est que l'église se recouvre. Il y a une église qui commence à se tranquilliser. Tu n'attends pas.
Il y a un ministère qui peut être puissant dans le monde. Il y a un ministère sale, mais que tu vas prendre ça sur toi. Ça va être la pression, ça va être les critiques, ça va être les disputes. Mais tu vas avoir la bénédiction dans le même milieu sur toi. Et je te dis, quand tu prends ce ministère sur toi, Dieu va te préparer pour l'étape suivante. Quand tu ne peux pas prendre ça. Matériel, spirituel, tout ça. Ce sont les promesses. Amen. Le mariage, c'est une promesse de Dieu. Mais le problème, c'est qu'on oublie que la promesse de Dieu est toujours plus grande que ce que l'on pense. Parce que l'on a toujours une vision qui est dit. La promesse de Dieu, chacun d'entre nous, j'ai une promesse qui est comme ça. Je vais vous montrer, on va bien avec ça. Lisons Josué 1, à partir de ça. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tous les lieux que fera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et les Libans jusqu'au grand fleuve. Le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. » Ok, c'est bon. Donc, vous voyez, ça, c'est ce que Dieu promet à Moïse, à Josué et au peuple d'Israël. Bien. Quand tu regardes la carte de Dieu, vous savez ce que le fleuve de l'Euphrate, ça traverse les lacs, ça existe encore aujourd'hui. Amen. Ce qui veut dire que Dieu va arriver à l'Assyrie et au peuple d'Israël. Quand tu regardes la trame, quand tu regardes le côté de l'Égypte et tout, tu vas voir que la dimension que Dieu donne à Israël, c'est très grand. C'est très grand. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite actuelle, la Jordanie actuelle, tous les pays autour étaient supposés appartenir à Israël. Mais quand tu regardes la carte d'Israël aujourd'hui, c'est juste un petit morceau de ce que ça. Israël est moins de 20 fois aujourd'hui que ce que Dieu a répondu. Et souvent quand je parle de ça, et c'est ça que Dieu m'a amené, il m'a envoyé le verset que je n'avais jamais vu. Je me disais que non, est-ce que c'est même vrai ce qu'ils ont fait? Écoutez, ils sont arrivés à un moment, là ils ont aperçu. Ils ont un roi, chapitre 4, verset 21, quand ils étaient dans leur force dans leur approche. Un roi, chapitre 4, verset 21. Salomon dominait encore sur tout le royaume depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Depuis le fleuve, maintenant quand tu regardes le fleuve, si tu regardes dans le chapitre James, plutôt chapitre 5, parce que ce n'est pas la même notation, mais quand on va sur le fleuve, j'ai regardé beaucoup de Bible et tout ça, tout le monde. Même les études de la Bible, ils font référence au fleuve de l'Euphrate. Le fleuve qui est mentionné ici. C'est-à-dire que la domination de Salomon était exactement comme Dieu avait demandé à Josué. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? L'idolâtrie, le péché, les équités. Regardez où ça se trouve aujourd'hui. En fait, quand tu tiens les règles de Dieu et que tu te luttes et que tu résistes, pas pour monter la santé. Enseigne ces choses et que je les garde, tu gardes ton territoire et tu montres plus ce qui se passe et tu l'agrandis. Tu élèves tes selles. Mais quand tu commences à retrouver la vie, c'est ça qui me va, ça fait ce que tu vas avoir. Mais Dieu a toujours plus grand que ce que toi tu penses. Mais il faut que tu demandes le Seigneur, prédispose-moi, prépare-moi, amène-moi là où tu veux que je sois. Quand je vous parle, je vous dis, il y a plusieurs choses que je fais aujourd'hui. Je ne pensais pas que j'allais faire ça. J'ai dit, il y a beaucoup de choses que Dieu m'a amené à le faire. Parce que j'ai dit, c'est bon, moi je n'y arrive pas. Comment je peux faire ça? Comment je peux faire? Il faut que tu demandes constamment à Dieu. Parce que tu ne sais même pas ce que Dieu veut. Voilà pourquoi tu es constamment en train de chercher la direction de Dieu. Et quand je parle de Dieu, je ne parle pas de moi, mais il y a beaucoup de ceux qui nous ont aidés. Nous avons beaucoup, la plupart des ceux qui sont là aujourd'hui, la plupart de nous ne sont pas en train de dire, je vous dis,
propre que nous sommes liés parce que c'est lancé par ses vrais frères. Amen. Je vous dis qu'il y a un sale travail à faire, mais personne n'aime ça le travail. Tout le monde veut ce qui est facile, évident, ce qui est visible. Mais qu'en est-il de ce qui est visible? Qu'en est-il de ce qui est dû? Vous savez comment c'est difficile de nettoyer les toilettes, surtout à l'Est Montréal. Il y a des gens qui passent la séance, c'est la recul. Je vous dis, une fois que j'ai pas son propre comme ça, je dis ouais, c'est bien. Je dis souvent là, moi j'ai pas répondu, c'est moi qui ai donné. J'ai dit la première fois, c'est certain que j'ai dit, il faut pas regarder. Bon, c'est et je ne dis pas que par ça, ça va être très bien, mais il y a ces choses que vous, il se met à un peu comme la planche. C'est-à-dire, je ne tente sans rien à faire, donc c'est finalement ce que je vais faire, et maintenant je vais faire autre chose qui est plus difficile, mais j'ai compris que Dieu ne veut pas travailler, de comprendre, il faut que tu mettes ta tête là-dedans. En fait, souvent, c'est qu'il y a un blocage à l'intérieur, tu dis à l'intérieur de toi, c'est le roi, ou tu te dis, il y a une bonne moi, je n'ai jamais fait ça. Amen. Il faut que tu dises, Seigneur, donne-moi la force. Je n'aime pas faire ça, mais il faut que tu me fasses aimer ça. Quand tu le mets dans cette tradition, il n'y a rien qui va bloquer tes bénédictions. Il n'y a rien qui va bloquer les promesses. Amen. Dernier verset aujourd'hui. Matthieu 27, verset 21. Alors, quand tu prends l'engagement de Dieu, parce que je sais que beaucoup de gens nous sont dit que c'est aussi pour prendre l'engagement, pour faire de nous ce sage travail, pour amener à gloire au Seigneur Dieu de Dieu. Amen. Alors, quand tu prends l'engagement, voilà deux choses que Dieu demande qui sont très importantes. Est-ce que je peux lire Matthieu 27, verset 21? Verset? Oui, verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien bon de fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie des temps. » Si tu es fidèle en peu de choses, peut-être qu'on n'est pas tout seul parce que c'est, peut-être qu'on n'est pas assez difficile, mais pour Dieu c'est peu de choses. Là, on va venir dire un autre verset que, oh, si j'ai cette vérité, j'ai fait ce que je devais faire. Parce que des fois, quand tu finis par faire, je pense que ça va être important. Non. Sois fidèle. Amen. Et la Bible dit que, bon, parce que nous avons ce problème dans cette église. On a des gens qui sont fidèles à l'église, mais qui ne sont plus bons. Mais qui ont de la vertu qui dit, ah, le jour, je vais avoir ça. Non. Il faut que tu gardes l'amour de Dieu à l'intérieur. Il faut que tu gardes la motivation. Mais il y a des gens qui ont le potentiel, qui sont bons, qui aiment bien, mais qui ne veulent pas s'engager. C'est ça le problème. Nous avons beaucoup de potentiel dans l'église en ce moment. C'est sûr que j'aimerais mieux la fidélité, parce que la fidélité, ça fait qu'on prenne plus d'engagement. Mais on le passe à vie souvent, au-delà de l'engagement, des fois la mauvaise motivation est pas bonne. Mais nous avons besoin d'engagement, parce que nous avons des gens qui se cachent dans les affaires. Et les gens qui nous préparent pour la fin. Ça va arriver comment? Ça va arriver dans combien? Est-ce que ça va être juste après la pandémie? Je ne sais pas. Mais ça, les choses vont trop, trop vite. Il faut travailler, il y a beaucoup de choses. Amen. Donc, il faut que tu sois motivé, mais il faut s'engager. Et vous voyez, l'engagement, ce n'est pas toujours quand il manque un champ de travail, mais ce n'est pas toujours quand il manque une personne. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'église. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'église publique. Quand tu t'engages à aider, par exemple, vous savez, juste à accompagner, quand tu as peut-être passé quand tu passes pas beaucoup, ou moins, il y a toujours quelqu'un à qui nous demande l'église publique quelque part dans la semaine. Et quand tu accompagnes cette personne, il va y avoir des autres. Je dis ça parce que c'est une chose qui se fait maintenant. Il y a une étude avec quelqu'un que je n'avais pas une seule vie. Et le problème de l'étude, ça, elle ne savait pas. Elle a apporté la nourriture. Et moi, c'était comme. Vous savez pourquoi ça m'a dérangé personnellement? C'est parce que ce que je voulais dire, je voulais gêner. Mais la bonne nourriture que j'avais dit, c'est quoi ça? Mais Dieu, j'ai pas assez de moi, mais là, mais ça me plaisait. Désolé, je ne m'ai pas parce que mais ça me dit pas que je suis. Mais j'accepte. Je voulais assez, mais j'accepte. Bien que je suis dans le là, je me regarde tout seul. Je sentais la gravité. Je lui ai attendu partout. Amen. Parce qu'il y a des moments qui me font mais je fais des fois là, c'est juste. C'est même pas que tu as fait. C'est des fois là, tu es concentré. Dès que tu vois que tu es dans le milieu, tu es dit, tu sais, parce que jamais je suis pas là, et il dit quoi que j'ai entendu, je me dis, mon père, il est arrivé. C'est une idée, c'est quelque chose que je voulais espérer, parce que ça fait beaucoup.
Amen. Il y a quelque chose à faire. Et vous savez que parce que la pandémie, on a regardé les yeux. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'amener à un ami. Il y a des amis ou des malades qui sont à la maison. Faites quelque chose parce que vous parlez pour encourager parce que vous savez comment rester du pays. Les personnes sont attaquées. Il y a des choses à faire. Oui, on est en pandémie. Oui, on est distancé. On est des mains distancés. Comment est-ce qu'on a besoin d'un juste pour vous? Mais sinon, la parole de votre église commence à réclamer. Et quand Dieu voit faire cela, Dieu en attire la pression pour toi. Et Dieu dit, oh, tu fais ça tellement bien que moi, il faut que je trouve un partenaire pour une femme où je ne veux plus parler pour un homme. Parce que nous, on est encore à tel niveau où les gens enseignent comme vous. Nous, on va jamais la pression pour commencer. Amen. Amen. Tu vas faire ce point. Amen. Il faut que tu sois bon et que tu sois fidèle. Amen. Nous avons trouvé le second, le fidèle. C'est un bon truc que je ne peux pas faire sur cet esprit. Dans ce moment, tu commences à te parler. Amen. Mais on trouve les personnes qui sont bonnes et qui restent à la maison. Nous sommes des personnes fidèles. Mais des fois, dans la fidélité, c'est là où tu vas te faire offenser. Tu vas te faire offenser dans le diable. Et même pas l'église, même pas fort à l'église, même pas fort à moi. Mais à cause de cela, le diable a su que ta bonté soit parce que tu penses, ah, c'est là où il faut vraiment. Que j'ai Dieu. C'est pour ça que tu m'as prié. Amen. 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 Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la disposition de rentrer, Seigneur, dans cette prière, dans cette grande reconnaissance, dans la charité, et de pouvoir vraiment, vraiment, que tu sois avec toi, 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 que tu sois avec toi,